Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur un nouveau live, sur je ne sais pas ce qu'on va faire en fait, je ne sais pas trop, tout ce que je sais c'est que je m'arrête environ vers 23h, et après bah, entre ça, entre le début et la fin on fait des trucs, et puis voilà. Bonjour à vous. Comme d'habitude, hein, vous le savez, on passera en mode sponsor sur YouTube. Double stream, double chat, double bonheur. Faites-vous plaisir. Voilà, choisissez le chat que vous voulez, puisque dans quelques minutes, on passera en mode sponsor sur YouTube. Écoutez, moi, ça va. Ça va, ça va, ça va, merci. J'espère que vous aussi, si ça va pas trop, écoutez, prenez-vous un truc à manger, à boire. En plus, là, c'est à peu près l'heure de manger, donc... Faites-vous un truc et venez le déguster en toute intimité devant 500 personnes. Je sais pas combien vous êtes. Moi, à mon avis, là, vu que ça vient d'être lancé. Mario, c'est terminé. Mario a été terminé. Hein. C'est fini pour Mario. Un jour, peut-être qu'on reprendra... J'ai des doutes, mais qu'on reprendra pour faire le truc de Luigi. Mais en tout cas, un jour aussi, on aura... Mario Galaxy 2, voilà. Donc je vous invite, ceux qui m'ont entendu ce que j'ai dit au début, hein, à le répéter. Je ne sais pas ce qu'on va faire. On va faire des trucs. Et puis voilà. Je veux aussi dire un mot sur KH3, parce que je sais que la question va être posée, donc je vais y répondre. Et n'hésitez pas à répéter lorsque quelqu'un repose la question. Le DLC de KH3 sort donc vers minuit. Je vais le faire en let's play classique, c'est-à-dire que je vais le tourner seul, et vous aurez les épisodes au fur et à mesure, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais en tout cas, là, à minuit, je vais tourner au moins une vidéo pour qu'elle sorte le plus tôt possible demain. Voilà, donc, a priori, si tout se passe bien, voilà le programme, je tourne vers minuit, une vidéo sort vers midi demain, et je tourne la suite dans la journée de demain, pour qu'il y ait peut-être une deuxième vidéo dans la journée de demain, et la suite... les jours suivants, voilà, tranquillement comme ça. Donc, je fais le scénario comme ça en let's play, et je ferai peut-être un 100% en live, vu que je ne sais pas, en fait, de quoi... à quoi m'attendre, je ne sais pas, j'ai pas envie de vous promettre, ok, on fait tout, on fait à 100%, on fait machin. Ce que je sais, c'est que il y a sans doute des combats de boss optionnels bien plus compliqués que ce qu'on a pu avoir avant. Ces combats, je les ai presque jamais faits dans les autres KH. Donc il y a de fortes chances que je n'y arrive pas ici non plus. Donc voilà, je peux pas vous promettre que je l'ai fait, mais on fera un maximum, on fera les choses bien. En tout cas, le scénario est en let's play classique, et peut-être qu'ensuite on passera en live pour le reste. Voilà. Mais vu que je ne sais pas encore à quoi m'attendre... Voilà, du coup j'ai quand même fait une petite commande KH. Bon, sur YouTube ça marche jamais du premier coup d'habitude, mais... Voilà, si besoin... Mais voilà, vous savez. Voilà, pour KH. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. J'ai hâte de savoir, en tout cas, tout simplement.
Bon, sur YouTube, les commandes, hein, vous savez qu'elles marchent comme ci, comme ça. Hein, donc... Ah, il y a petite Camille qui... qui dit « What ? Il y a un DLC de KH3 ?» Alors là, par contre, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Coucou Samchi, je crois qu'il n'y a pas de S à la commande préférence. Je devrais peut-être mettre les deux. Et comme d'habitude, avec les commandes, vous le savez, ça sert à rien de les spammer parce que tout le monde les voit en fait quand vous le faites. Hein. C'est justement fait exprès pour que vous n'ayez pas à spammer, donc ne spammez pas les commandes, sinon vous allez vous faire time out et le chat sera bloqué au sponsor et avec un comment ça s'appelle ? Un mode lent ultra long, voilà, ultra long parce que c'est chiant. Donc bref, ne spammez pas. Soyez des gens courtois et bien élevés. La série Vanilla de Minecraft, ouais, j'y ai pensé plusieurs fois, et puis à chaque fois j'avais autre chose, enfin... Je sais pas quoi faire avec cette série. Il y avait une petite idée, on en a parlé avec Pic pour peut-être faire un truc tous les deux, mais bon, j'avais commencé tout seul, en mode chill, enfin, je sais pas. Pour le moment, j'ai pas envie, donc là tout de suite j'ai pas envie, puis il y a déjà The Last of Us et il y a KH3 là. Peut-être après, mais je sais que je joue beaucoup à WoW aussi en ce moment, donc... Bref, ça m'emmerde cette série. Je sais pas comment faire. J'aime bien, mais je sais pas comment faire en fait. Je suis perdu. Et merci du coup à Skylore Replay. Merci beaucoup. Merci pour la suite directe du LP de Last of Us. Je reste douté pour la fin. J'attends. Je vous rappelle qu'il y a le planning sur mon Twitter. Si vous cherchez à savoir quand sortent les épisodes. Merci Stéphanie. J'étais justement en train d'écouter la rediff du dernier live Just Chatting pendant... Je conduisais, par contre je ne peux pas rester, bon live, merci d'être passé, bon live, enfin bon live, bonne soirée. Et merci à Alex également. Ouais, je joue beaucoup à WoW, ouais, c'est étonnant. Hein. Encore que la 8.3, bon... Voilà quoi. Pas dingue. Pourquoi tu as fait un planning? Bah parce que... J'avais tout tourné, donc c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de planning de manière générale, parce que je sais jamais quand sortent les choses. Mais quand j'ai tout tourné et que j'ai déjà toutes les vidéos, là, je peux faire un planning. Là, il n'y a pas de souci. Je farm, j'arriverai quand j'aurai fini. Picture est sur WoW. Bah, tu sais quoi, Pic ? Je sais pas quoi faire, en fait. Peut-être que tout à l'heure, on se fait une vision ou deux en live hein, sur WoW. Pourquoi pas ? Arrête d'être flou, Cam. Faut que j'enlève la mise au point automatique. Faut que j'enlève la mise au point. Comment j'avais fait ? Fais la mise au point une bonne fois, la Cam. Tu vois, la Cam ? Je suis là. C'est bien ? Faut faire comme les youtubeuses beauté. Tu mets ta main devant. Mise au point automatique... Le décoche, on verra. Un jour j'en aurai besoin et ce sera décoché et ce sera tant pis pour moi. Oui, il y a Siana qui live aussi sur KH parce que je crois qu'elle fait le mode critique. Bon, elle va pas le faire en entier ce soir, mais elle je crois qu'elle lance une partie en mode critique parce que du coup ça débloque des Keyblades. Alors peut-être qu'on y jouera aussi, je vais pas encore une fois le terminer ce soir en mode critique, loin de là, mais peut-être pour rigoler, simplement pour se remettre dans le bain, pourquoi pas lancer. La partie qu'on avait déjà lancée il y a longtemps en mode critique, juste pour rigoler, quoi. Du coup, merci, Pic. Tu sais que t'es pas obligé d'utiliser de l'argent pour m'écrire, hein ? Tu le sais, hein ? Merci à Pierre Namikaze. Petit coucou à tout le monde et des bisous à toi. Et à la petite picture. Bon, le pas petite picture. Hein. Marchandise, tu joueras à Undertale un jour, oui, je veux le faire, je pense que je le ferai en live contre toute attente et contre, voilà, enfin, en connaissance de cause. Pic, elle écrit que par super chat. Ah, coucou, Happy and Sobralia. Rebienvenue, vous êtes gold, hein, vous êtes gold. Je pense qu'on ira un petit peu sur KH quand même.
Après, j'ai d'autres trucs. Enfin, je veux dire, donc il y a WoW, on peut faire un petit peu. On peut faire un peu de cash. Et on peut aussi, parce que je l'ai installé, on peut découvrir un jeu, mais un jeu dont vous m'avez parlé depuis longtemps, que tout le monde me dit fais-le, et que voilà, Ori, tout à fait. On en a déjà parlé justement. Effectivement, j'ai installé Ori and the Blind Forest, définitive édition, tout ça, là, je sais pas quoi. Je ne sais même pas ce que ça rajoute d'autre. J'avais écrit un tweet, parce qu'en fait, je vous avais déjà parlé du fait que je voulais le faire alors que... Enfin, à la base, je vous ai parlé du fait que je ne voulais pas le faire. Après, je vous ai dit, bon, on va le faire. On va voir ce que ça donne, cette histoire. Tout le monde en parle. Allons-y. Voilà. Du coup, je l'ai acheté. Sur Instant Gaming. Promo Instant Gaming, ok ? Partenariat, tout ça. Et en fait, au moment d'entrer, la clé... En fait, je l'avais déjà sur Steam. Du coup, bah, j'ai une clé qui ne sert à rien. Donc, à la limite... Je pourrais peut-être vous la faire gagner. Il y a des gens qui n'ont pas le jeu, je ne sais pas. Voilà. J'en ferai rien de cette clé. Ouais, Ori Definitive Edition 3D 8.7 Remix. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Oui, on refera Life is Strange 2 en mode badass un jour. C'est la boîte de cash GBA que je vois derrière toi. Oui, tout à fait. Le jeu du démon. C'est le moment de faire la mise au point, mais on a enlevé la mise au point. Tu me diras, il n'y a pas besoin. Ouais, le jeu du démon, quoi. La boîte est jolie, quand même. Et en assez bon état. Go faire un 100% sur celui-là. Bien sûr. Bien sûr. Pire idée. On a tout, hein. On a le petit livret. Et on a bien sûr The Cartouche. Mise au point nécessaire. Oh, Osef. Je veux le lasso, clin d'œil, clin d'œil. Mais tu sais que j'ai un doute si le lasso se loot pendant cette période, Pic. Je crois avoir vu que justement pendant l'assaut des Mogu, c'était pas là. En fait, il faut avoir lasso. Enfin, vérifie quand même, mais. Ça se trouve, j'ai de la merde. Et il me semble que tu lootes le lasso en dehors de l'assaut. C'est difficile parce que lasso et lasso, c'est le même mot, mais c'est pas grave. Bref, tu lootes l'objet en dehors de l'assaut Mogu, mais tu lootes la monture pendant l'assaut. Enfin bref, j'ai rien compris. Bah, yes, voilà, Happy slash Sobra, apparemment, la loot tout à l'heure. Donc, oubliez tout ce que j'ai dit. Pourquoi les alertes sont décalées de l'écran ? Les alertes sont décalées de l'écran ? C'est-à-dire ? Non, je crois pas. Vous avez vu un truc décalé, vous ? J'ai galère à trouver le serpent. Bah, faut que je me renseigne plus alors pour cette histoire, parce que j'ai rien compris. Le DLC de Last of Us, je l'ai tourné, oui. Il y a 4 vidéos en plus, du coup, donc ça fait 29 vidéos dans le Let's Play en tout. Putain, j'ai soif ! Ah, je n'arrête pas de picoler de l'eau. Tu les vois décalés ? Bah, je sais pas, écoute, je ne sais pas. Diabète. Non, je pense pas. C'est surtout que j'ai bouffé une pizza et que du coup j'ai soif. Après, il y a peut-être du diabète derrière, mais j'ai surtout mangé beaucoup trop salé. On voit que la moitié des messages. Ah, attendez, on va avoir une alerte justement. On va comprendre.
On va comprendre, parce que du coup j'ai pas regardé tout à l'heure. Pourtant, c'est la même fenêtre que les dernières fois, tu sais. Enfin... Attendons. On voit que la moitié des messages... Moi, je vois le message en entier. Vous êtes sûr de vous, là? Pourquoi les gens disent que c'est décalé? Je comprends rien. On voit la moitié. Mais what? Pourquoi il y a la moitié qui dit on voit la moitié et d'autres qui disent que c'est bien? Moi je vois tout. What the fuck? Ouvrez vos yeux? Non? Je sais pas. C'est juste pas centré. Mais il n'y a pas à être centré ou pas centré. C'est juste ça s'affiche à droite. Et c'est tout. J'ai du mal à vous comprendre. Je vois tout, bah oui, moi aussi. Vous êtes sûr que ça va? Je vais activer le mode sponsor sur YouTube, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Faites des screens. Faites un screen, envoyez-le sur Twitter, qu'on comprenne. À la prochaine alerte, faites un screen. Bienvenue les sponsors, du coup. Bienvenue à vous. Bah du coup, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Je peux tester au riz. Ouais, on peut voir ce que ça donne. Pendant une heure ou deux, hein, histoire de se faire un avis. Je vous garantis pas que je le fais en entier. Peut-être que oui, peut-être que non. Ah, mais c'est ça, les gens... Oui, je pense que c'est ça, The Baptiste 81. Les gens qui ont un tel next-gen voient pas le stream entier parce qu'ils le mettent en plein écran. Mais bien sûr, je comprends mieux. D'accord. Je comprends mieux parce que vous êtes pas en 16/9, vous êtes en... Comme sur un iPhone comme ça, là. Quand tu mets en plein écran, c'est coupé. Ça doit être pareil. Je pense. Ça paraît logique. Mais bon. C'est pas ma faute. Du coup, passons en mode comme ça. J'aime pas quand la dame elle chante. On a dit pas chanter, madame. De toute façon, on va enlever si on joue à Ori. Tu vois là, ça va chanter. Agaçante playlist. Madame, taisez-vous. Oui, tout à fait, ouais. Taisez-vous. Enfin bref, si vous avez des coupures sur l'écran, c'est que vous ne voyez pas tout l'écran. Not my fault. Comment je fais pour lancer Ori? Bah de toute façon, je vais vous dire. Clac. On va changer le titre. On va changer le jeu. On va faire les choses bien. Ah bah voilà, il y a Wizbot qui a mis Ori. Enfin, c'est Assistock. Je vais le changer de toute façon. Enfin, je vais essayer de trouver un truc. Mais surtout, ça va vous permettre d'écrire un mot ou deux sur le chat YouTube parce que ça enlève le mode sponsor. Quand je change de jeu, quand je change de titre. Donc, préparez votre meilleur mot. Ori... And the Blind Forest Definitive Edition. Okay. Si tu pars sur Ori, moi je pars. Des os, pas des os. Cœur, cœur, bonne soirée. Eh bien, cœur, cœur, des os, pas des os. Crazy Mofo. Merci à toi.
ça. Ok. Bon, laisse la musique le temps que je me décide. Ah bon Dieu. Ori and the Blind Forest. Ok. Ok. Par contre, on va pas changer les miniatures, hein. Ça va 5 minutes, cette histoire. Ça se trouve, ça va pas marcher, hein. Ça se trouve, ça va être un échec total. Ok, donc cette fois, on va couper la musique. On va lui dire de se calmer. On va trouver Steam. Et on va lancer le game et essayer de tout installer correctement. Voilà. Tips pour te souhaiter une bonne découverte d'Ori, un de mes jeux préférés. Merci Lily. Merci à toi. De toute façon, je vais forcément apprécier. Enfin, je veux dire, le jeu n'est pas mauvais. Hein. Sinon, ça se saurait, mais. C'est juste l'engouement. Je vous l'ai déjà dit, et pour moi, pour de. Pas de mauvaises raisons, mais pas la bonne raison. Voilà. Ok, jouer. Lancer le game. Je l'ai lancé hier pour voir si ça allait. Ça avait l'air d'aller, mais... Le game est lancé. On va le mettre là. Et on va activer le game sur le stream. Ah, vous l'aimez bien, cette petite musique, hein? Est-ce qu'elle est pas un peu forte? Je ne sais pas. En général, il y a toujours quelqu'un pour dire la musique. Juste ça. La musique. Clac. Ok. Un tout petit peu trop fort, non? Du coup, la chouille à fort. Est-ce que c'est mieux comme ça? Coloquinte. Après, je suis pas sûr qu'il y ait tant de musique, enfin, pas aussi forte in-game, je crois. C'est plus tranquille. Ok, et puis il faut que je fasse un truc, attendez. On va mettre le jeu. Parce que je l'avais enlevé lorsqu'on jouait à Mario. On va le remettre, non? Puis on va mettre que c'est la définitive édition, parce que c'est peut-être important. Ding! Merci MX Elf, bienvenue à toi. Définitive Edition. Ok, c'est bon, c'est juste. Je pense que oui. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Sur la potentielle rediff YouTube, il y aura sûrement le pré-live, donc vous aurez peut-être avancé. Mais en tout cas, on va découvrir ce fameux Ori que j'ai toujours laissé de côté pour des raisons obscures. Hein. C'est très subjectif. C'est... Je sais pas. Pour moi, il n'y a pas d'histoire sur ce jeu, à part l'introduction
et sûrement une cinématique à la fin, mais à part l'intro, c'est un jeu de plateforme, quoi. Point barre. Donc, il y a une jolie DA, c'est joli graphiquement, il y a une très jolie musique, mais pour moi, c'est un peu tout. Voilà, et je me dis, les gens s'excitent pour un jeu comme ça, ok, mais c'est peut-être une mauvaise... je sais pas. On va voir. On va se mettre en normal. On va voir cette fameuse introduction qui fait tant pleurer tout le monde. Ah bah on l'entend bien, l'arbre mojo. J'aurais peut-être dû baisser le son de ça aussi. Non, ça, effectivement, là, c'est très très beau, hein. Ça, y a pas de doute. C'est déjà moi qui joue, là ? Voilà, attendez, on va peut-être dire au... à l'arbre mojo de se calmer. Ah, mais je sais pas quoi baisser, en fait. Effet sonore, musique... Je veux bien faire ça, mais... En fait, je suis pas sûr qu'on puisse changer grand-chose. Nid d'hirondelle, ok. Ça, je l'ai pas vu parce que quand j'ai fait mes tests, j'avais fait passer l'intro. Bon, je sais ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe. Menu maxi best of triple cheese avec les potas. Merci. Bon, moi, apparemment, il y a des gens qui découvrent quasiment en même temps que moi, même si je connais l'intro. Eh bien, découvrons. Voilà, on vit dans une petite caverne avec, je crois, c'est Naru ou Naru, c'est ça, qui nous a recueillis. Et nous, c'est Ori. Il me semble que c'est ça les noms, mais... Et l'arbre mojo, bah, je ne sais pas son nom. Tous les arbres mojo s'appellent mojo. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. Ça, y a pas de doute. Enfin, le style est très classe. Les musiques sont vraiment belles. Et il y a plein de bouffe partout. C'est une bonne nouvelle. Mes flammes. Alors, c'est qui parle ? Oh,
encore nous qui jouons. Ce que je comprends, c'est que l'arbre... c'était Ori, c'était à lui. Enfin... C'est son bébé, non? Et lui, là, qui est visiblement très affaibli, ne veut pas le rendre, non? Du coup, l'arbre cherche... quelque chose comme ça. Je sais pas, je suppose, je fais des suppositions. Et on voit bien qu'il n'y a plus de nourriture. Il faut reconnaître que l'intro est très belle, hein. Mais ce n'est qu'une intro, qui certes est magnifique, ça ne résume pas le jeu. Non, j'ai pas gâché la scène. Détendez-vous. Ah, je peux bouger? Je peux bouger. Lui aussi se laisse mourir, du coup. Ou il est simplement très triste.
C'est sa mort qui a refait vivre tous les trucs ? J'ai pas compris. Une fois d'accordé, il y a... Ok, bon, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Nous voici in-game, l'introduction est bien sûr très belle, magnifique, tout ce que vous voulez. Mais, ça ne résume pas le jeu, voilà. Donc, ça, c'est tout. Donc voilà, nous y sommes. Il faut qu'on voit le son du jeu maintenant qu'on est vraiment dedans. Parce que la musique, finalement, me semble un peu basse. Parce que, effectivement, sur l'écran titre, c'est un peu fort, mais... Ok. L'arbre s'est sacrifié. Tu penses que l'arbre s'est sacrifié pour faire revivre Ori encore une fois? Je sais pas. Là, c'est bon pour la musique, non? Ça semble bien. Alors, je sais que quand j'ai fait mes trucs, j'ai activé valeur de dégâts, oui, et flou cinétique, non. Je déteste les flous cinétiques. Clairière engloutie. Donc ça je l'ai fait hier quand j'ai testé. Enfin, j'ai joué quoi, 10 minutes? Un truc comme ça. Maintenir machin pour descendre. Donc oui, voilà, comme ça. Mais il me semble qu'ici, il y a quelque chose. J'ai trouvé un petit brasier de lumière spirituelle. C'est bien précis, quoi. Petit brasier de lumière spirituelle. Ta jauge s'est remplie de lumière spirituelle. Trouve-en d'autres pour obtenir des points de compétence. D'accord. Donc la petite roue en bas augmente et on a des points de compétence. Super. Super! C'est gentil, ça. C'est gentil. Éclat de vitalité, d'accord. Donc, pour ce régène, on a 3 PV. La roue, c'est la jauge d'XP. Très bien. Cellule d'énergie. Tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Utilise cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie. B. C'est quoi B? C'est ça, B. Sauvegarder. Alors, si j'ai bien compris cette histoire, il me faut des orbes bleus pour sauvegarder, pour créer des petits points de spawn. Je crois que c'est ça. Donc en gros, boule jaune égale XP, boule verte égale vie, boule bleue égale point de sauvegarde. Et je vois une jauge qui se remplit là. Et ben, j'ai aucune idée de ce que c'était. Il y a un truc qui s'est rempli autour de ma jauge d'XP. Voilà, bien énervé! Je vais sauter dessus. Non. Le son était fort, hein, je sais pas. Ah si, 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 il faut faire ça. Voilà. Ok. Chaque boule bleue représente une possibilité de sauvegarder ou un checkpoint. Très bien. Tu as gagné un point de compétence. Donc là, on a fait le tour au moins une fois. Appuie sur B. Non. Quoi?
Mais là, il veut que je refasse un point de sauvegarde. J'ai pas compris. Ah, faut revenir au lien d'âme. Puis sur croix pour récupérer la petite lumière. C'est quoi? Je connais pas les boutons de Xbox, c'est insupportable. La musique me fait penser à Everybody Gone to the Rapture. Mes forces me reviennent. Je suis sane. Comment vous prononcez? Sane. La lumière et les yeux de l'arbre aux esprits. Lorsqu'elle est relâchée, lorsqu'elle a relâché son emprise, je me suis retrouvé ici. Elle, j'ai pas compris déjà, tu vois, je comprends rien. Égaré dans ce vallon, je peux te guider tout au long de ton périple si tu le veux bien. Ils ont dû te suivre jusqu'ici. Mais il est dingue ce son, quoi. Des fois j'entends rien et des fois j'entends trop. Je vais essayer de baisser ça. Pour voir si ça baisse que les monstres. Ah non, mais là maintenant j'entends plus du tout. Oh! C'est la musique. Donc t'attaques comme ça. Super. Faut être proche, mais pas trop. Leurs lumières me reviendront, cela l'arbre aux esprits l'avait annoncé. Dans la clairière au-delà des grottes, nous le trouverons. Il y a un chemin par ici. Je lis ces phrases, mais ne comprends rien. Actuellement. Bosquet cru. Il faut qu'on aille ici. Ok, ok, il faut qu'on aille ici. Alors, on va retourner au lien d'âme pour utiliser notre point de compétence. La carte, ça, je l'ai vu tout à l'heure. Ça, je crois que je peux l'exploser. Ça fait un peu d'XP. Voilà. Ok, donc nous avons un point à dépenser et un arbre de talent gigantesque. Et je peux prendre uniquement, bien sûr, ceux qui sont là. Permet de réutiliser les liens d'âme, réduit leur temps de recharge. Ouais. La plupart des objets récupérés flottent vers Ori. Permet de lancer 3 flammes avant de devoir recharger. Bon. Je savais pas que je pouvais lancer des flammes. Moi, j'aimerais bien les objets flottent vers moi. Ah, voilà, c'est bien ça. Moi, j'aime bien comme ça. Je fais pas celle là-haut. Au secours! Ne pas aller dans l'eau, ne pas aller dans l'eau. On a déjà un point de compétence. Les puits aux esprits sont d'anciennes structures utilisées jadis pour traverser rapidement tout Nibel, qui est sans doute la zone. La lumière des puits aux esprits te revigore également lorsque la fatigue te gagne. Puis sur croix pour sauvegarder.
On a fait une jolie petite pause. Bon, je peux pas me TP parce que je n'ai pas d'autres points. Ça ravigote, un petit piac. Ouais, c'est un peu ça. Les flammes, c'est ton attaque. Ah, non. Merde. Ça, c'est mon attaque, là. Donc, c'est les flammes. Du coup, prenons peut-être ça. Ça fait trois flammes, là? J'ai pas compris. C'est le nom de la rediff. J'ai pas compris. Ok, donc là... Non, c'est pas ici. Enfin, je vais vous dire quand je me suis arrêté exactement, et là je viens d'avoir un truc et j'ai pas lu. Quel enfer! Qu'est-ce que j'ai eu? Ça? Bah j'en sais rien. Ah ouais, je pourrais taper plusieurs ennemis. Ok. En même temps. Un fragment. Bon, d'après la carte, de toute façon, c'est bien par là, parce qu'il faut aller sur la gauche. Là, je peux prendre un rocher. Trouver une pierre clé. Les pierres clés permettent d'ouvrir des portails aux esprits. Chaque portail aux esprits nécessite un nombre de pierres clés précis. Tu as eu de la régène, du truc bleu, c'est tout. D'accord. Le fragment, ma régène, mon truc bleu. Ok, c'est ici, je me suis arrêté. Tout à fait. Oui, c'est ici que je me suis arrêté, donc là, voilà, j'en sais pas plus. Et déjà, vous voyez que j'avais rien retenu. Ce portail aux esprits nous barre le chemin, ces structures avaient été créées pour nous protéger avant le déclin. Les pierres clés dont nous avons besoin ne doivent pas être loin pour atteindre l'arbre aux esprits. Il nous faut tout d'abord traverser les grottes mystiques qui se trouvent au-delà de ce portail. Donc là, on a récupéré les deux clés. Donc je les pose. Et voilà. Rien retenu et rien compris. Ouais, il y a peut-être un petit peu des deux. Je propose une sauvegarde. Comment on fait? Comme ça. En fait, à la limite, on peut sauvegarder à chaque fois que j'ai le truc rempli, non? Oh là, bosquet creux, grotte mystique. On m'a dit grotte mystique. Donc j'évite d'aller là où il ne faut pas. J'ai déjà pris super cher. Ah, il nous faut de nouveau deux clés. Bon, on explose des gros trucs typiques. Intéressant. C'est clairement le jeu de l'année là. Oh ça va, on rigole. Oh oui. Ceci est une pierre carte, l'une des nombreuses bornes utilisées comme point de repère. Est-ce que c'est pas le truc pour se TP? Il manque un morceau. Si nous parvenons à trouver un fragment de pierre carte, nous pourrons peut-être la reconstituer.
Donc ça, je n'ai pas. Tu penses GoWo vers quelle heure? J'en ai aucune idée. Alex, je suis désolé. Aucune. On a commencé à quelle heure, Ori? On peut se mettre un chrono s'il faut. De toute façon, je vais jouer jusqu'à ce que j'en ai marre. Peut-être que j'irai pas sur WoW. C'est ça le truc. On va continuer et puis on verra bien. Donc j'ai une clé, mais il m'en manque une là, non? Ça va dans tous les sens, votre histoire. Non, j'ai pas récupéré la pierre carte, là, j'ai récupéré un fragment de la... des clés, enfin, je crois. Ou alors c'est la même chose. J'ai eu un point de compétence. Augmente la puissance de la flamme spirituelle. On va peut-être prendre ça parce que... Ah bah voilà! Faut tellement la spammer. De l'arbre aux esprits brille en chacun de nous. Il nous permet de vivre et de nous épanouir. Lorsqu'il y a tant d'années, il a demandé à ce que nous te retrouvions. Nous avons été attaqués, blessés, décimés par notre ennemi. Il ne reste d'eux que ces arbres ancestraux. Approche et absorbe la lumière de Phil, l'esprit qui gît à l'intérieur. Saut de mur. Pour utiliser cette compétence, utilise le joystick en direction du mur et appuie plusieurs fois sur A pour bondir vers le haut. Nice. Donc nouvelle compétence. Tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Ok, j'ai 2 points de sauvegarde. Alors, comment ça marche exactement? Parce que... Je peux monter à l'infini comme ça? Tu fais un peu de tous les jeux dans le titre? Bah je sais pas, c'est ce que j'avais... On avait parlé de ça au début du live, je sais pas si je ferai un petit peu de chaque ou... Je les ai juste écrits pour pas avoir à changer le titre à chaque fois. Il semblait avoir vu un truc là-haut. On peut voir en haut? Il y a un truc qui brille salement. Je n'ai aucune idée. Ah, ça respawn! Attends, ça a piqué à gauche. Le gameplay s'étoffe un petit peu. Ah! Sale bête. Là, il y avait des trucs qui avaient l'air effrayants. Le farm est possible, ouais, c'est ça. Tu fais des allers-retours entre les trucs de la map.
peut bouger ça? Oui. Oula, 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 mais attrape-le! On va mourir. Par ta faute. Attends, c'est peut-être plus pratique déjà comme ça. Ah, mais... Le caillou n'est pas gentil. Tsuna. On a eu un boost d'XP là. Oula. Il est facile votre jeu. Ah, ça par contre. Voilà, fragment de pierre carte. C'est facile votre jeu, trop facile. Y'a vraiment aucune raison. Attends, c'était par où par contre? Aucune raison de rager. Vraiment. Je sais plus par où ça te fait. Donc on voit par où il faut passer. Et par hasard, c'est pas du tout un truc pour se TP. Très bien. J'essaie quand même de vous trigger un petit peu, hein. Ça va. Le jeu, il est pas si ouf, hein. Ouais, c'est joli. Ça va, hein. C'est une petite bestiole, quoi. Un jeu de plateforme. Est-ce que ça vaut le coup, hein? Je sais pas, ça. Est-ce que c'est le jeu de l'année? Non, clairement pas. Talia Stay, maintenant une baleine, et je ne vois pas l'alerte dans le chat, mais merci à toi. Ah mais attends, à chaque fois je me trompe. Je me sens actuellement profondément insulté. Parfait. Ah, je croyais que j'en avais eu qu'une de pierre clé. Mais en fait, non. Donc, tout va bien. Il y a plein de zones dans lesquelles on ne peut pas aller pour le moment. J'imagine qu'on va retourner en arrière de toute façon. Enfin, dans l'eau par exemple. Là, sur la droite. On peut tuer ça? On peut pas. Ça va. Je maîtrise. Le jeu est dispo sur Switch, oui, je crois. Et bah voilà, il y a Marauder qui l'a dit. Comment on a, par exemple, là, la boule d'XP qu'il y a ici? Parce qu'il n'y a clairement pas de chemin... Est-ce que c'est le genre de truc qui est pour plus tard? Mais alors, je vois pas trop comment. Ah! Oh, quel enfer! On peut passer à travers des murs. Ce portail d'énergie a été scellé par les esprits du passé. Si nous récupérons assez de cellules d'énergie, nous pourrons le traverser. Ah, il faut y mettre des points de sauvegarde dedans! Mais quelle idée! Oh non, 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 des chemins cachés où il faut... Où il faut voir comment le décor est fait pour se dire... Attends, mais là, c'est pas normal. Crache ta boule!
tu vois, du coup, maintenant, j'ai envie d'aller tout le temps sur les murs. Ouais, ça fait penser à Rayman, c'est vrai, hein, le décor. Enfin, la manière dont c'est fait, le graphisme. On dirait le même moteur. L'arbre aux esprits. Il a dû puiser dans le peu d'énergie qui lui restait pour te sauver. Donc ça, c'était la théorie qu'on avait vue tout à l'heure. Approche, écoute notre histoire. C'était le soir de la cérémonie des Lumières. Comme elle, abhorrait notre éclat. Ok, flashback. Ah, mais il y en a plein des petits bouts. Ok, c'est un petit peu le boss final, Piaf. Tu as reçu la lumière de l'arbre aux esprits, notre sort est entre tes mains. Écoute-moi attentivement, c'est de la plus haute importance. On doit trouver les petites bouboules. L'arbre aux esprits alimentait les trois éléments de la lumière qui à leur tour maintenaient l'équilibre de Nibel et protégeaient la forêt. L'élément des eaux à la cime de l'arbre de Jinzo. L'élément des vents, profondeur de ruines éplorées. L'élément de la chaleur. Sous la fournaise du mont Oru. Quand Nibel retrouve toute sa splendeur, nous devons raviver leur lumière avant qu'il ne soit trop tard. La première se trouve par-delà la crique arachnide. Quelle idée! À la cime de l'arbre d'où jaillissaient autrefois les eaux. C'est que c'est loin cette histoire. Oh, pas tant que ça en fait. Faut retourner au tout début et passer là. Enfin, ça doit être le point de départ, en fait. D'accord. Avant de se TP, est-ce qu'il faudrait pas explorer un petit peu les lieux? Toujours les oiseaux, les méchants. Leave them alone. Ouais, comme dans Gris. Qu'est-ce que c'est, ça? On ne peut pas passer. Bon, pour le moment, c'est très bien, hein. Je ne dis pas l'inverse, mais je reste sur mon idée que... Enfin, j'ai du mal à exprimer mon idée, en fait. C'est très beau, très bien, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi ce jeu est encensé plus qu'un autre alors qu'il y a d'autres perles tout aussi exceptionnelles? C'est ça que je veux... Je crois que c'est ça que j'ai au fond de ma pensée. Bosque est creux. En fait, on veut pas y aller là-bas. J'ai peur de y aller. Le sol est instable. Ah, mais le monstre va. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée de passer par ici, hein? Ou est-ce qu'il vaut mieux se TP?
On essaye un petit peu. Après, on peut sans doute redescendre. Ça va rejoindre. Ça ne valait pas du tout la hype. Ça ne valait pas toute la hype. Ouais, c'est ça, je pense. Il est très bon. Le jeu est très bon, très beau, tout ça. Mais je trouve qu'il est surcoté. Je pense que le mot est juste. Hein. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Mais il y a des jeux tout aussi magnifiques, je pense. Où on n'en entend pas parler, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais c'est très bien que les gens aient apprécié ce jeu. Alors, j'ai pas la puissance pour taper ces trucs. Je pense à Gris, justement, dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est tout aussi beau. Et pourtant, les gens ne s'y intéressent pas. Bon, c'est pas le même gameplay, ça c'est sûr. On va peut-être refaire une sauvegarde ici. Oh, c'est pas un... Attends. C'est un power, ça. Hollow Knight, j'y ai pas joué encore. Anno, l'esprit mort ici était fort et courageux. Écoute sa voix, il est capable de concentrer notre lumière. Parce que ça fait longtemps que j'en ai envie. Je reviendrai en rediff, je déteste prendre un live en cours, désolé, pas sur Tipeee, pas de problème, j'ai pas de PayPal, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de donner, vous le savez, vous faites bien comme vous pouvez et comme vous voulez. Merci à toi en tout cas, Pensborgia. J'espère que ce pseudo se dit comme ça. Qu'est-ce que j'ai eu comme pouvoir là ? Ah bah justement. Voilà. Dac. L'histoire n'est pas la meilleure ni la plus originale, mais le jeu est plus apprécié pour ses musiques et son art style et son gameplay. Surtout vers la fin du jeu. Pourquoi je peux pas là ? Attends, qu'est-ce que tu me fais? Ça prend des points de sauvegarde? Pour faire un gros boom, ça prend des points de sauvegarde? Enfin, j'appelle ça un point de sauvegarde. Enfin, je devrais pas, en fait. Ah, mais attends, regarde. On s'énerve pour rien, là. Bah tu vois, j'ai du mal, moi, à... Akumalala. J'ai du mal à comprendre. J'ai de la peine à comprendre comment, par exemple, un jeu comme Gris ne peut pas susciter quoi que ce soit. Mais faut dire aussi que... Je suis assez bon public. Je pense que je trouverai du bon dans chaque jeu. Même si, de prime abord, je ne l'aime pas. Je sais pas. J'ai fait ça. Oui, j'ai fait. Attendez, je suis en train de me perdre. Gris est meilleur, selon moi. Je pense pas qu'il soit comparable, parce que Ori est très lié à son gameplay. Alors que Gris, c'est plus une expérience, comme on dit, quand il y a des jeux comme de ce genre. Il n'y a pas tellement de gameplay dans... Enfin, beaucoup moins. Dans Gris. Je sais pas si j'y arriverai en fait là. Ouais, c'est pas très comparable, je pense. Non, mais encore une fois, ce jeu, j'ai toujours su qu'il était très bien et qu'il me plairait sûrement. Hein. Y a pas de doute là-dessus. Absolument aucun.
Bon, il y a clairement un truc à gauche, mais tu peux pas sauter assez haut. Oula, grosse boule qui pique là. Wow. J'avais pas prévu de faire ça, mais ok. Ce truc est absolument dégueulasse. Faudrait que je sauvegarde. Accroît le rayon et les dégâts de la flamme. La plupart des bonus s'affichent sur la carte. Permet de réutiliser les liens d'âme et réduit le temps de recharge. On va peut-être prendre ça quand même. C'est dégueu ce truc. Par contre, pour se perdre, c'est fortiche là. Ça part dans tous les sens. C'est que des pics là-haut. C'est que des pics. Ah, mais regarde. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. D'accord. Tous les sens. Je vais mourir si je vais. Ah non, ça. Ah oh. Ça passe. Ah. Ok, c'est une bonne nouvelle. Un point de vie en plus. Il y en a un autre de PV là-haut. Je me fais exploser. Tu te mets assez loin, les points de sauvegarde rip-hop. Le 100% sur ce jeu, ça doit être quelque chose, hein, parce que ça part vraiment dans beaucoup de sens différents. Ah non, pas loup, pas loup. Ah. Je peux exploser ça? Je pense pas, si c'est pas le petit truc bleu. Mais...
tu viens de m'aider pour ma vie unique. Ta vie unique ? Ah, il y a un truc là-bas. C'était quoi cette saloperie? J'ai envie d'éternuer. Pardon. N'avons-nous tous pas une vie unique? Effectivement. Pour l'instant, je rush un petit peu, j'ai l'impression, mais je sens bien que... qu'il faut aller vachement plus doucement, hein, pour faire les choses correctement. Je vais vraiment pouvoir sauter de l'autre côté, là. Donc ça, c'est un truc de carte, mais j'ai pas trouvé de pierre carte. Enfin, genre l'endroit où le mettre. Je suis bon pour refaire le tour. Ah, les trucs qui respawnent. Attends. Non. Oh, des trucs vénères en feu. Oh, des trucs vénères en feu qui mettent du feu partout. On est où, là? On va pas au bon endroit, moi, je vous le dis, hein. C'est clair et net depuis un bon moment, on va pas au bon endroit. Hein. Oh, oh là là, oh là, oh non, non. Je pense qu'on va pas aller par là-bas. Waouh, il y a des super trucs là-haut, mais... J'aurais dû repasser par en bas... Mais ça passe, regarde, on est à côté, hein. On est bon. Somatoline, hein. Oh non, mais pas vous, pas vous. Non, ça va, c'est pas les trucs de lave. Mais je prends quand même très cher. Ça va pas du tout. Coucou Brie, je fais que passer. Je voulais juste te dire que j'adore ce que tu fais. Tu me donnes le sourire tous les jours et m'aides dans les moments difficiles. Je t'aime beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, Roudaf. Merci, c'est gentil. Je suis content de pouvoir vous aider. C'est la mort. Attends, mais je respawn pas en full vie. Je viens de capter. Comment on se passe? Tu captives même mes enfants. 4 et 5 ans. Ah, tu as sauvegardé à 0 PV. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que ça réagit. Ok. Je pensais que c'était au respawn. Tu avais tes PV et point barre. Quelle horreur!
Aïe. Putain. Qui aurait dû sauvegarder? Un seul PV, ça suffit pour faire le jeu. C'est facile votre jeu. J'approche du but, hein, c'est bien. Mais c'est pas par ici. C'est pas le point de TP le plus ouf. Ah mais je peux pas sauter! Je saute pas assez haut. Quel enfer! Ne me dis pas qu'il faut le rocher. Oh, c'est pas vrai. J'ai été greedy, beaucoup trop greedy. Ouf, c'est juste. On va refaire une sauvegarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Point de compétence. Attends. Ah. C'est la petite bébête qu'on voit depuis un moment, ça. Un gumon. Des ruines éplorées. Nous devons le suivre pour lui reprendre ce qu'il a volé. La création d'un lien d'âme rétablit une cellule de vitalité. La plupart des bonus s'affichent sur la carte. Je sais pas ce qui est bien, j'ai envie d'augmenter un petit peu tout. Du coup, on est au bon endroit. On a fait l'objectif, hein. Vous voyez, c'était peut-être pas la vraie route, mais quoique. Je l'aime pas cet ennemi. Waouh! Ouais, mais c'est auto-guidé son truc. Attends. Voilà! Encore que ça ne l'a pas one-shot, hein, parce qu'il y a des petits derrière. Faut améliorer encore un peu la flamme. Ça, je peux pas, hein. On va rester en mouvement parce qu'il lance des trucs auto-guidés. Wouah, plus 100, incroyable. J'ai trouvé un grand brasier. Ok.
Mais mon dieu, je les vois même plus. Où est passé boule d'amour? Ah ah! Il est tout à gauche. Trop d'ennemis, y a trop d'ennemis. Grotte sélénienne, la grotte sélénienne. Waouh, il y a du laser. On s'est fait zap. Saute. Ah mais non. La violence du truc. Ah, la violence du truc. Ah, mais c'est pas vrai. Là, c'est peut-être ma faute. Ça y est. Par contre, est-ce que il y a un passage secret? Non, bah non, c'est pas un passage secret, c'est juste qu'on a vu un truc à détruire, mais j'ai pas ce qu'il faut pour le détruire. Aïe. Je peux pas sauter là? Ça me stresse, j'ai l'impression qu'il me manque rien, il y a plein de sauts comme ça. Là, je peux pas y aller. Il y a des pics de partout. Mais il va où, boule d'amour, là? Il va beaucoup trop bas. Ah, mais il y a encore des trucs à casser. Je pensais tomber sur un secret, mais ça a l'air beaucoup plus grand que prévu, hein. Ah! Ah si, la boule bleue là-haut, peut-être. Nice.
Oh. Putain, je viens de mourir juste avant le point de sauvegarde. C'est un classique, vous savez, cette mort juste avant le checkpoint. Vraiment, vraiment super. Ah. En tout cas, c'est très calme comme jeu. Pour l'instant, je rage pas, mais je me dis que plus tard, ça peut arriver. Mais c'est pépouce, tu vois l'ambiance et tout. C'est vraiment reposant. Et cette fois, on n'oublie pas de sauvegarder. Après le... Ah bah non, il a pas respawn. Ah si, il est là. Ouais, je sais bien que le jeu est un peu rageant après, mais c'est plus difficile du moins. Je sais, c'est pour ça que je fais exprès de vous dire. Il est facile, votre jeu. Mais... Ouais, il faut sauvegarder très souvent, quoi. Ah bah merde. Ah bah super. Je peux pas y aller là. C'est de l'eau méchante ça. Oh, ok. Est-ce que c'est seulement faisable? C'était un piège de boule d'amour. Wouah. Alors par contre, wow, le labyrinthe que c'est ce jeu. Après avec la carte, tu vois les petites zones secrètes, j'ai l'impression. Donc ça c'est pas mal. C'est vraiment un labyrinthe. Écoutez, moi pour ce premier test, je vais m'arrêter là, je pense. On pourra refaire des lives dessus, mais j'ai pas envie de passer la soirée dessus. Moi, je voulais vraiment avoir les bases. Et je pense que je comprends mieux déjà. Le jeu est très beau, ça, y a pas de doute. Le jeu est sympathique. Enfin, voilà, le jeu est bon, ça, y a pas de doute là-dessus. Maintenant, est-ce que je vais kiffer, est-ce que je vais vraiment vouloir le terminer? Je sais pas. Je sais pas. Je reste sur un a priori de... C'est sympa, voilà. Mais est-ce que c'est mon truc? Je sais pas. Voilà. Ainsi, nous allons changer de jeu. Parce que j'avais dit à Pic tout à l'heure que je voulais aller sur WoW pour faire des visions. Si elle est toujours disponible, c'est sympa sur 20. Oui, voilà. Moi, c'est ce que... Sauvegarde, bonne idée. C'est ce que je retiens, c'est sympa sur 20. J'en attendais pas plus et j'en attendais pas moins. Voilà. Sympa de l'avoir testé, en tout cas. Bah oui, bah voilà, c'est ce que... C'est ce que je voulais, mais pas mourir bête. Peut-être le faire en entier, hein, mais pas ce soir. J'avais pas prévu de le faire ce soir, quoi. Juste le tester. C'est pas son jeu préféré. Je crois que c'est préférence, Maraudeur, sans S.
La fin en vaut le coup pourtant. Bah, apparemment, il y a vraiment un truc à la fin, effectivement. Je l'ai vu plusieurs fois. Dans les coms, là. Dans le chat. Que la fin était. Waouh! Enfin voilà, écoutez, je suis content de l'avoir testé. On va arrêter pour Ori. On va faire un petit peu de Woo parce que j'aimerais bien faire des visions avec Peak. Et peut-être, selon l'heure qu'il est, je sais pas, de toute façon ça va pas nous prendre trop de temps sur Woo, je pense. Peut-être qu'on ira un petit peu du coup sur KH. J'aimerais bien juste me remettre un petit peu le jeu dans les mains avant de faire le DLC. Ça peut être cool. On peut rejoindre pour les visions. Je voulais juste les faire avec Peak pour cette fois, c'est gentil de proposer, mais on va le faire à deux. Des visions, c'est sur WoW, donc c'est pas sur un autre jeu. Le retour de This Is So Fun, je sais pas, on va pas la revoir. À moins que, peut-être qu'elle est dans le DLC. Peut-être que dans le DLC, tu retournes dans tous les mondes, mais c'est pas ce que j'ai vu.